répète dans ton cul, dans ton cul. Pourquoi je dis ça? Salut, c'est Metal Blaze. Bienvenue dans cette sixième vidéo et dernier épisode sur Sonic the Hedgehog. Car on enchaîne le dernier monde, Scabred Zone. Hop là, allez, c'est fait. Comme ça, ouh, il y a des flammes. Oh, je vais pas aimer, oh, je vais pas aimer. Attendez, est-ce qu'on va se faire lobotomiser? Le niveau s'appelle Scabred Zone. Est-ce que on va se faire lobotomiser? Ou alors, est-ce que c'est Sonic qui va se faire lobotomiser? Ah, d'accord, donc il y a des Tesla et tout. Je suis genre venu courir alors que t'es j'ai à mettre ce dernier plan. Ouais, on dirait du coup une espèce de zone pétrochimique ou je ne sais quoi. Enfin, on a passé des grands thèmes verts. À la limite, tu vois, je veux dire des vieilles ruines. Puis des villes dans la nuit, puis une autoroute. Attends, mais t'avais aussi labyrinthe, je suis en train de me dire. Ah, ça flippait tout. Ah, trop bien, l'animation. Ah, ma tête se bat. Ah, d'accord, par contre, je m'attendais pas à ça. Ah, pareil. Le timing est à chier. Ah, d'accord, donc faut pré-shot là. Non, faut pré-shot, les emplois sportifs. Si vous voulez qu'on commence le niveau, levez la main, je lève la main, vois ta main levée, un peu tout seul, donc du coup c'est décisif, allez on recommence. Ouais, allez, sera prêt de zone. On recommence. C'est pas passé du tout. Ah, bah je suis encore trompé. Ah bah d'accord. Oh, je m'en suis peut-être sorti cette fois-ci. Enfin, je crois. Ça va tous les... Oh, t'as tué en masse. Oh, let's go. Attendez, mais c'est moi ou... Ah ouais, d'accord. Genre, ça drop des bombes comme ça. Drop des bombes. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, en plus, on peut se les bouffer et ça fait... Ah, genre, ça traverse la map. Ah ouais, on les connaissait pas, ces ennemis, tiens. Scrabble Zone Acte 2. Sonic, mais nique la gravité en fait. Quand Sonic t'as pas assez de vitesse, tu peux pas tourner, mais par contre, si tu sautes trop tôt, la projection fait que tu pars dans tous les sens. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne cette forme. Oh non, pas la bombinette! On s'en souvient! Ah bah, elle m'a bouché. C'est bien, je me suis. Oh non! Non, qu'est-ce que c'est? Ah, donc il y a des grosses lames, des grosses scies. Scrabred Zone a encore bien son nom, donc en fait, c'est bien Sonic qui va se faire lobotomiser. Non! D'accord, donc il y a des flammes, il y a des scies, il y a des téléporteurs, il y a de l'électricité. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter encore? De l'acide, de la lave? C'est les grands classiques du jeu vidéo, hein. Pourquoi faut toujours que les scies soient genre... Bah genre énormes? Cette fois je le fais, je vous jure je le fais. Et je suis encore tombé? Non c'est bon, je l'ai fait. Oh, ce clutch. Tiens, j'espère que vous appréciez ce gameplay, hein. Je rappelle que pour ceux qui étaient pas là au début, moi j'apprécie pas forcément tout premier Sonic, j'avais jamais terminé. Pour la simple et bonne raison, bah, j'apprécie pas forcément les musiques ni forcément les niveaux, mais c'est quand même le tout premier Sonic, donc c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on enchaînera sur le second. Plus tard. Peut-être pas forcément Oh quoi. D'accord, donc là j'ai évité une lame pendant que je suis en train de parler, tranquille. Ok, donc là j'ai évité un bloc. Il y a des bombes par contre. Non mais non, Il y a pas de bombes. C'est bon, j'ai un anneau. Je suis safe. Regardez, j'ai joué à Sonic. Je récupère un seul anneau, je survie. C'est vraiment la base même du jeu. Tu perds tes anneaux, t'en récupères un, t'es en vie, tu sais, tu peux survivre comme ça pendant très longtemps. Est-ce que je fais YOLO? YOLO. Oh, et j'ai bien fait. Regardez, c'est les petits nounours qui envoient des bombes. Regardez, il est là. Ouais, on vous aime pas, vous. Ouais, toi, t'aimes pas. Regarde. Ah c'est marrant, par contre j'ai l'impression qu'il peut pas attaquer de l'autre côté, genre il peut attaquer il peut attaquer que dans une seule direction. Regardez la bombe, regardez. Bon en fait heureusement qu'on est dans l'autre sens, tu vois, genre on serait à contre-sens par rapport à leur bombe, c'est chiant. Comme bah ce qui nous arrivait tout à l'heure. C'est encore loin là, fin du niveau. Karma m'a rattrapé. Petite esquive. Oh mais c'est la fin. C'est la fin du second niveau. Est-ce qu'on attaque directement le boss? C'est ce que j'ai cru comprendre. Le boss? Eggman?
c'est le boss. Ah non, bah non, acte 3 finalement. Eh, mais c'est presque Red Zone ça, c'est Labyrinth Zone. Genre les couleurs sont fades, genre c'est délavé, qu'est-ce qui s'est passé? Labyrinth Zone, acte 4. Mais ils auraient dû l'appeler comme ça ce niveau. Pourquoi on se trouve pas à Starlight Zone ou Non, c'est pas très logique. J'ai oublié à quel point Sonic se déplace lentement. On va respirer un petit peu, hein, pour la pression. Ah, j'ai plus d'oxygène. La bulle qui voulait passer. Non, mais pourquoi elle est pas parue, la bulle? Bah ça fait deux. Non, mais la bulle qui apparaît juste après, elle m'a encore trollé. Et c'est la première fois que vous pouvez mourir noyé dans ce jeu, hein. Enfin, de l'argent, c'est cool, on s'en fout. Enfin, de l'argent. Le mec, il a cru qu'il était capitaliste. Mais non, c'est Sonic, c'est les rings. Non. Oh, oh, l'esquive, non. Oh, je fais esquive sur esquive sur cette vidéo. Ouais, bon, je meurs quand même, hein. Je veux dire, ça, c'est pas drôle. Bon, pas drôle si je speedrunnais le jeu et que je le connaissais par cœur. Bah non. Par contre, Sonic, faut respirer. Ouais, voilà. T'es quand t'entends les bip-bip à chaque fois, tu sens que Sonic, il est pas... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et en plus, ça rame, tu sais. T'es bien, mais juste pour me foutre le seum, tu sais. Genre, le jeu se met à ramer. Ça pollue le cul, pourquoi faut toujours que ça rame ici? Oui, la bulle. Oui, oui, cette fois, c'est passé. Pire. Ouais, ça rame, évidemment. Parce que le fait de ramer, tu vois, je veux dire, c'est rigolo. Oh non, j'ai plus de ring en plus. Non, 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 non. Ce passage est infernal. Mais perdre ses rings dans la flotte, en fait, genre ça diminue tes FPS. Qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de diminuer tes FPS? Bah tu restes plus longtemps dans l'eau. Et du coup, bah tu peux pas respirer. C'est vachement marrant. Allez, la bulle. Non, bah des fois, c'est au bonheur de la chance. Tu l'as pas. Oh, si, y'a que là que j'ai réussi à l'avoir. Oh, vous avez vu comment je vais les ramer à la vache. Genre, je sais même pas que c'était possible. D'accord, par contre, j'ai encore perdu tous mes anneaux. Allez, ça y est, je retourne mes FPS. Donc là, je pense qu'il va faire le boss sans anneaux. Ok. Bah pourquoi pas. Et le voici, Docteur Eggman. Salut. Mais ils vont envoyer le laser à chaque fois. Ah merde, bah oui, en plus, j'ai pas d'anneaux, c'est vrai. Ah, quand même. Tiens. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. Ouais. Ça donne un micro lunette. Oh oui, oh oui, cours. C'est ça, cours pour ta vie. Et donc là tu t'évades. Ah, c'est fini. Oui, c'est fini. Nous souvenir, le boss final de Sonic 2 est bien meilleur. Et là du coup ils sont en train de mettre le générique et du coup on est en train de revoir tous les niveaux qu'on a fait. Ah, c'est sympa. Oui, d'accord, mais c'est carrément un medley avec la musique qui change. J'espère que vous avez apprécié ce display sur Sonic the Hedgehog 1. Alors c'est marrant parce qu'il mettra Yugen, parce que Dr. Eggman il a toujours les Chaos Emeralds et j'en ai récupéré aucune. Je suis en train de remarquer que ça fait 42 minutes que je suis en train d'enregistrer. Comment c'est possible? Bon, en ce qui concerne les Chaos Emeralds, je pense qu'on fera ça dans les prochains Sonic, notamment Sonic 3. Je sais qu'il y a toutes les Chaos Emeralds, il y a même plus que les Chaos Emeralds. J'aime pas si la vraie fin de Sonic 1 vaut le coup, j'aime pas si... Bah, il y en a une en tout cas. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce let's play dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain let's play. Allez, salut.